Et on est parti pour la deuxième game entre Evil Genius et Vici Gaming, les Américains qui ont remporté la première game sans être vraiment inquiétés par l'écurie chinoise qui du coup a une game de se faire éliminer pour une équipe. C'est ça qui est ouf. Ouais, c'est ça qui est dur dans ce tournoi. Éliminé quoi. Il y a pas de lower bracket, il y a rien, c'est juste des BO3, tu avances, si tu perds bah t'es out, tu rentres à la maison. Et Vici qui est pas en très grande forme ces dernières semaines, qui est bah, qui voudrait vraiment pas se faire aligner par Roger maintenant. Ouais, exactement, et bah ça se voit au vu du draft. Hein. C'est Wisp Tony qui arrive. Alors on parlait des Eddie Romano qui arrive, bah là il y a le plus gros avec Tony qui va arriver pour massacrer les frères Lopez en face. donc Evil Genius va falloir faire attention. Côté EG, c'est le first pick Queen of Pain et le Clockwork en seconde pick. Clockwork parce que Universe. Clockwork et parce que c'est de manière générale assez fort contre Wisp Tony, ça permet d'aller chercher, enfin pas contre Wisp Tony, contre Wisp. Tout simplement. Et regarde les bans qui arrivent. Je pense que c'est les fameux je prends clock en offlane parce qu'il est complètement indépendant. Et derrière, je me prends un support greedy dans les bois. Okay. En mode, je pense que l'Enigma est très très bien ban. Il y a moyen qu'on voit EG peut-être partir sur un Sand King ou peut-être sur une autre idée. Donc, alors, Shen, c'est pas vraiment. Enfin, non, c'est pas ouf Shen. Ouais. Et puis même EG est pas une équipe qui joue beaucoup Shen. Ils ont beaucoup joué au DAC. Et depuis assez peu, il me semble. On va aller voir sur la 6.84 puisqu'on a toujours les stats qui traînent. Non, le Shen effectivement n'apparaît pas du tout. Dans leur euro. Et alors, il y en a qui savent pas ce que c'est, les frères Lopez. Je vois que ça pose beaucoup de questions sur le chat. Les frères Lopez, n'hésitez pas à aller sur YouTube. C'est des familles de gitans qui s'affrontent par vidéo interposée. Et ils sont très très sympathiques. Donc, c'est le ban Widgetor. Donc, ça va pas ban un deuxième support greedy de la part de Vici Gaming. Ça a juste ban un héros fort contre le Wisp de manière générale. Je suis très étonné que le Disruptor soit encore là. Que ça soit contre ou avec le Wisp, peu importe. Je pense que c'est... Le Bristol aussi hein, qui avait été... C'est vrai. C'est vrai que le Bristol est complètement ignoré. Alors le first ban Tusk, moi, c'est... Enfin, ça me fait vraiment rire. Ah bah en même temps, il y a eu tellement de belles perfs à la Mars TV. Ouais, à Marty, ouais. Je sais plus à combien il a fini, mais c'était vraiment... Ah bah il y a un moment où il était à 13-1, 13-2. Ouais, c'est vraiment ridicule. Je crois qu'il a un peu perdu sur la fin. Ouais, comme souvent. Hein. C'est ça. Mais c'est vrai qu'au début, il a juste massacré tout le monde. Viper qui va arriver de la part de Vici Gaming. Donc là, on a déjà une line-up de massivité ouais. Assez insane. Et du coup, on annonce que le Wissini va être mid, que la Viper est probablement safe lane accompagnée de quelqu'un. Et Viper en safe lane protégé en 2v1, c'est très très fort. Ouais. Surtout contre un Clockwork. Ouais, c'est-à-dire que, ouais, c'est... Et d'ailleurs, est-ce que tu crois que Vici Gaming pourrait pas nous prendre un Sand King pour FY par exemple et du coup partir vraiment ultra greedy, certes, ils peuvent, hein. Mais avoir une Viper safe lane, une Dual Wisp Tony et puis un offlaner. Et du coup aussi avoir FY qui se balade et qui prépare les relocates pour ses poteaux. Quoi. Il pourrait complètement. Il y a un héros qui pourrait être très fort pour EG, là ce serait l'ancienne apparition qui compte très bien la Viper et le Wisp en même temps. Ouais. Maintenant c'est un héros qui joue très peu, donc on va voir s'ils arrivent à l'intégrer. PPD a quand même un peu joué ancienne apparition, non? Bah je pense que comme toutes les équipes ils l'ont joué à un moment ou à un autre, mais c'est pas leur grand classique on va dire. Ouais, ils l'ont pas joué sur la version par exemple, alors ils ont quand même plus d'accord. De 50 héros joués. Ok, ils l'ont pas joué sur la version, ça marche. C'est qui leur héros le plus joué? Ah c'est Clock. C'est Clock? Clock, Lion, Lina. Lion encore, ok. C'est une des rares équipes à encore jouer Lion. C'est vrai. Bon là c'est pas terrible. Bon c'est PPD pour le coup, hein, mais ouais c'est pas. Ah oui le joueur. Ah non, je sais pas. Non, je crois que c'est vraiment PPD le Lion. Si je dis pas de conneries. Oh, ça c'est pas mal contre le Wistini. Ouais. Alors ça on l'a vu. Hein. Ça, ce setup de. T'as le Wisp Tini qui TP et t'as l'ulti qui est posé sur le Wisp et il se fait exploser par son pote. Il se prend des patates de forain et c'est mais ridicule. Et du coup, bah, t'as le Tini en attendant qui fait rien. Quoi. C'est vraiment très très fort Winter Wyvern contre Wisp. Je sais plus avec qui. Ah, les premières c'est, avec, c'est vraiment c'est, les Russes. Hein, c'est avec Voja que je les caste à l'ESL1 seeding bracket. Et j'ai fait, hein, mais c'est vraiment trop malin quoi. C'est vraiment beaucoup trop malin. Et c'est le Lion, ok. Et on disait que j'ai le joué beaucoup. C'est Vici Gaming qui va décider de le prendre. Un contrôle ah bah, aussi, regarde, c'est leur deuxième héros le plus joué. Ah bah voilà, ok. Donc c'est normal qu'on va finir par arriver ce héros. Quelle va être la réponse de G? Il manque le héros de Fear pour le moment et il manque un deuxième support. Il manque quoi? Peut-être un Shuya de Burst pour suivre. Ils ont beaucoup de dégâts à eux pour le moment. Ils ont pas mal de contrôle. Il leur fera peut-être un support qui ajoute un peu de burst ciblé. Et puis un petit carry, quoi. Ils disent des Lopez, il y en a partout, comme les Jolivets. Merci. Mais fais gaffe, rigole pas trop, Til 30. Hein. Je sais où t'habites, mon gars. On va venir te massacrer avec mes frères. Les frères Jolivets.
quatrième draft, il nous manque un support côté EG et un safe laner. Et bah ça va prendre le visage de Aoi, très bien. Ouais, c'est bien ça. L'Aoi, lui, il peut sniper du Wisp facilement. Ouais. C'est vraiment ça qu'on voit maintenant contre Wisp. C'est la bonne réponse, c'est on tue le Wisp le plus vite possible. Ah, et puis moi j'ai vu. Bah, est-ce que c'est Aoi que j'ai vu EG? Je crois que c'est le visage d'Aoi qui a été insane et qui a. Non. Non, c'est le visage de Lille qui a tué. Ouais, qui est tout aussi fort. Qui a tué Giro et c'était quoi? Je sais plus quel était l'autre. Les deux corps en 1v1. Vraiment un 1v1, enfin, c'était un super. Avec le Solar Crest maintenant, c'est une horreur. Voilà, c'est ça, c'était complètement insane. Mais c'est pareil, on avait annoncé aussi que ce héros était très haut. Bon, il a été nerf entre temps. Hein. Ouais. Je pense qu'il mérite encore une très bonne place. Mmh. Ok, sympa. Ça, on voit de plus en plus des Phoenix qui sont joués avec Wistini. Ça t'apporte une massivité de teamfight qui est énorme. Et c'est fort parce que si tu mets. Hé, hey, retour de Klings. Ils ont beaucoup aimé. Ouais. En espérant qu'ils ont encore les DD, mais ils ont beaucoup aimé. Ouais, sympa. Sympa. Et du coup, toc. Du coup, on manque un chouïa de stun côté EG. On a Clock et Visage qui peuvent stun. Bon, la Viverne avec son ulti, mais bon. C'est marrant, tu sais, il y a quelques, on va dire quelques mois, quand une équipe n'avait pas deux vrais stuns, on disait, ah putain, il manque un peu de stun. Et vraiment, maintenant, là, depuis cette 6.84, il y a de moins en moins de stun. Je sais pas trop ce qui pourrait expliquer cette histoire-là. Alors là, EG, ils ont Clock, Wyvern. Et c'est deux ultis. Ouais, et les bas de visage. Ouais. Trois ultis. Donc c'est clair que c'est limite. Vichy, ils ont Lion qui apporte juste tout le disable de l'équipe à lui tout seul. Quoi. C'est que single target, hein, donc il faut garder ça en tête. Leur shaker peut être un Ravage. Ça peut être un Ravage, son Air Spike. Son Air Spike ou son Impale? Impale. T'es sûr? Air Spike, c'est Nyx? Non, Air Spike, c'est Impale, c'est Nyx. Satané Dota. On va aller vérifier. Non, c'est ça. C'est sûr. Alors Spike. Donc, on va se faire un petit coup de... Des Fijis avec une superbe Myrna de la part de Submail qui a pas écrit, mais bon, excusez-le, il est pakistanais, je suis pas sûr qu'il sache écrire. Donc ça, c'est bien sûr PPD et son buff très amplise. Ça, il a pas changé depuis longtemps. Hein. C'est ça. Bah, il a toujours pas été buff, donc voilà. Je savais pas qu'il est salty comme ça. Fia. You are all awful. Très bien. Et le visage, Volvo, give me visage item. Ah bah oui. Ah oui, qui veut des items sur visage. Il reste un, non? T'as pas oublié? Non, il y en a un qui en a pas. Ah oui, effectivement. C'est celle-là. Ah non, c'est. Ah non, c'est Univers aussi, c'est bon. Ah, c'est bon, ok, pardon. Flexin. Ah oui, c'est la Surge. Il est en train, t'as l'impression qu'il est en train de. Ouais. Oh pardon. Qu'il est en train de gonfler les pecs. Oh, les biscottos. Les biscottos. S'il veut impressionner les Lopez. Et de l'autre côté, on a Ting-Tong-Ting-Tong-Ting de la part de FY, très intéressant. Magic de la part de. Il est où, Malou, sa tête? What? Il est à l'envers. Il fait un salto en fait. Ah, c'est quand il prend un Walrus Punch? Non, je sais pas, c'est quand il met le Walrus Punch. Il est à la fin du Walrus Punch, comme Astérix. D'accord. Ouais, d'accord. Belle explication. Donc, ça, c'est le fameux coup de pied rotatif du Juggernaut. Et une liche, un Shadow Demon. De la part de Fenrir qui adore. Ouais, qui dit chichi. Bon, concentrons-nous maintenant. concentrons-nous maintenant sur le mid. Donc, Queen of Pain face à Wisp Tony. Pas du tout évident. Beaucoup moins évident que Bristleback Wisp, pardon. En termes de duel, puisque là, t'as le combo quand même Toss Avalanche et Sommel, il va prendre déjà un énorme poke. Mais il va falloir blink. Hein. Ouais. Il va falloir blink. Il a une salve, donc il a accepté de trade. Il a trade des HP assez intéressant sur Wisp, mais bon, il a la bottle. Donc voilà. Et PPD qui va venir au mid pour l'aider. En bas, on a du coup un duel Viper contre Clockwork. Alors là, Universe. Là, c'est triste tout. Là, c'est vraiment infect de jouer. Il peut gérer le contrôle de la ligne, donc il aura de l'XP. Il va prendre max les roquettes pour prendre des last hits de loin. Il va souffrir, mais bon. Voilà. Univers, c'est un des rares joueurs de flame qui aime bien souffrir. C'est un peu le sadomasochiste. Et surtout qui ne meurt pas. Voilà, c'est ça, il meurt jamais. Même s'il est niveau 1 à la 5ème, il ne meurt pas. Donc, il joue régulièrement ultra safe, là il a pris son niveau 2. Et donc en haut, pas spécialement parlé, le Phoenix, le plus compliqué c'est de prendre son niveau 2. Surtout si tu te fais zoner. Alors il souffre tellement du Klings parce qu'il a pas d'armure. Zéro d'armure. Il a zéro d'armure. Et c'est étonnant d'avoir son start build là. Il se ramène quelque chose dans le chic ou. De qui? Bah, il a rien. Il s'est payé les sentries lui-même peut-être? Tu peux regarder? Ah, il s'est payé des sentries.
pour Dayward. Est-ce qu'il a bloqué un truc avec? Salut mout pote. Bon. On en est où? Que Vichy s'est fait un peu out draft, mon bon Shiba, je suis désolé pour toi. Pas du tout. Oh, il a tenté avec ses. Alors ça demande un timing bien particulier, mais quand ça passe, c'est trop stylé. Et en bas, c'est Univers qui est en danger parce qu'il y a une S sur Fenrir. Il va mettre les cogs. Oh oui, magnifique, ouais. Et il va sauver le stun. Oh, et il y a pas, il y a un toss, mais il avait pas d'unité à envoyer. Et donc pas de souci. Mais du coup, par contre, ce qui est bien joué de la part de Univers, c'est qu'il a deny la haste au Wisp. Hein. Mm-hmm. Donc c'est un coup de... Alors pas de Crow Bottle, de T-Rex Bottle qui va être fait de la part... Ishmael tient très bien Médard depuis l'arrivée du... Alors pour le coup, c'est vraiment... Pour le coup, c'est hyper fort parce que il n'y a pas d'armure sur... Je pense que c'est vraiment... Ces phases de win sont quand même tu sais toujours quoi, moi je l'ai trouvé hyper faible. Alors avant la Mars TV, ouais. Où il avait fait des mids pas bons et un peu perdu. Et là, je suis complètement d'accord. Il est. En fait, je trouve que ce qui lui manquait, c'était la régularité. Ouais. Je le trouve maintenant régulier. Peut-être moins impressionnant, mais régulier. Mm-hmm. Et c'est ce qu'il faut. Ouais, il a réussi à trouver ses marques. Ouais, je trouve qu'il est vraiment avec God, c'est les solo mids que j'aime bien voir. Ah ouais. Qui prennent l'avantage quand ils peuvent prendre l'avantage. Fata aussi. Ah, j'ai assez peu vu Cloud9 malheureusement, mais c'est vrai que Fata est. En tout cas, dans les stats, fait un énorme travail. Fata, je le trouve assez impressionnant. Pour moi, c'est un peu mon top 4. Mon top 3, parce que j'en ai vu 3. Parce que je pensais à S4, mais du coup. S4, bon. Sinon, on cite tous les solo mid et on dit tous ce qu'ils sont. S4, moi, je l'ai vu ça massacrer plusieurs fois. Ah, moi aussi, je trouve qu'il est un peu en dessous actuellement, mais heureusement, il a un Zai qui est brillant en ce moment. Donc. Ouais, et puis il cap, donc c'est normal qu'il se concentre sur autre chose. C'est ça. C'est pour ça que tu capais, toi, c'était la bonne excuse. Non, les gars, je feed, mais je cap. tous les caps font ça. Ok, on a des stacks qui sont faits par Vichy Gaming pour le futur Aghanim de Tini, la rune qui va être récupérée là-haut par le Wisp. En bas, c'est le Lion qui est en train de la protéger. C'est une rune d'invisibilité. Il n'y a aucune visibilité de la part de EG sur cette rune. Donc on ne sait pas ce que c'est. On sait que c'est pas une haste. La question c'est, est-ce qu'ils peuvent débloquer quelque chose avec ce Lion invisible? Thierry Viverne s'en va, oui. PPD qui va. Qu'est-ce qu'il fait? Oh là, c'est dangereux. Ils ont prévu des boulettes, hein, Ils vont y aller. Ça va partir maintenant. Quoi? Et là, c'est mal joué hein, de la part de Fenrir de pas être à temps. C'est le Tini qui doit toss là. Ouais, mais il a juste pas eu le temps. Je pense qu'il a loupé son coup parce qu'à mon avis, il est en range. Hein. C'est grand la range du toss. C'est 275, je crois. Peut-être qu'il a voulu assurer le coup pour être sûr de toss la Queen of Pain. Oui, mais je pense qu'il avait justement, je pense qu'il était en range de toss avec 9 pain. Enfin, je sais pas. En tout cas, c'est une erreur de jeu, c'est dommage. Ah, c'est un first blood et c'est du temps de perdu pour le Lion, c'est une rune de gâché. Ouais. C'est un first blood de perdu. C'est potentiellement le fait de mettre ce mail sous l'eau. Mm-hmm. Ouais. Okogoro sous l'eau, regarde les CS. Hein. Moi, j'avoue. Il est éclate. Oh. Et là, on est peut-être à un point quand même assez important. Alors, c'est pas forcément la seule chose, mais on est clairement sur une méta où le Wisp est beaucoup testé et où le Wisp, très honnêtement, tu peux aller regarder les stats du Wisp. Je suis assez curieux. On se rappelle que Vichy est à 70% de win avant VO. J'ai rien vu sur les traits, donc j'imagine que ça a l'air d'être fixe les traits. J'ai bien l'impression. Hein. Parce que sinon, on vous aurait entendu bitcher là et pleurer comme des ingénieurs, mais j'ai l'impression que ça a l'air d'être mieux. Donc c'est super. Merci beaucoup, Koyuk. Parce que c'est lui qui nous a fixé le problème. Je ne sais pas du tout ce que c'était le problème. Hein. Je vous avoue, il a fixé le problème. Oh, Fenrir. C'est bon, il y a le stun qui part. Il va y aller ou pas? Non. Ah, mais non. Il y a eu beaucoup de tentatives. Et donc, le Wisp est à 50% de win tout rond. Mais bon, d'accord. Comme d'habitude, c'est entre guillemets un peu faussé entre les grosses équipes, les petites équipes, les gros tournois, les petits tournois. Et là, on est quand même sur Vichy qui est. Voilà, leur héros le plus joué, c'est le Wisp. Donc, c'est une équipe qui est à l'aise avec le héros et qui va prendre un 2-0. Donc EG, enfin, attends, non, excuse-moi, c'est pas ce que je veux tu dire. Vas entendre Shiba pigner. Mais ils ont perdu la ligne mid.
Ce qui n'est pas normal avec un Wisp. Je suis d'accord. Avec un Wistini. Donc, on est. Bon, ouais, il y a eu toutes les réponses Bristleback qui sont arrivées pendant un moment, etc. Bref, on est sur un moment où le Wisp est clairement en train de perdre de la valeur. Et en parlant de valeur, il y a Fear qui va arriver vite, qui va récupérer le First Blood sur ce Wisp. Et à le stone magnifique, ça va le sauver. Et du coup, il y a aussi le Phoenix qui s'est mis en danger. Un XXX, il s'est mis en danger. Ce mail qui va probablement mourir. Le Scream of Fame qui va le tuer, qui va récupérer le kill. Et il fait n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Il va pas, ça va passer. L'attaque va passer. Double kill de Fear. Et un kill récupéré sur ce mail. Ouais. Trois morts de la part de Evil Geniuses. Qui va punir complètement Vichy Gaming sur ce move. Il voulait se faire deny, je pense. Ah oh, mais. Il est revenu plusieurs fois vers Azizais. Mais au final, c'est. Bon, il est mort dans tous les cas. C'était pas bien joué. Non, c'était pas bien dans joué. Dans tous les cas, c'était pas bien joué. Et là, bah, regardez les courbes de gold. C'est C'est déjà inquiétant. Mm-hmm. Je vous rappelle que cette différence. Pardon ? Tu pètes la Nettoise ? Pour voir la différence où est le Tini en fait. Ouais, le regard, le Tini comparé à la COP, c'est. Oh, j'avoue. Et le visage, comme d'habitude, qui fait déjà son entrée. Ah, visage ! Mais voilà, mais c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que Fear, ça y est, hein, il est. Ouais. Bah, il est grand, il est autonome, quoi. C'est plus un Tanguy, il est parti du domicile familial et. Et là, Ice. Il a 600 3, HP. Hein. Il faut qu'il y aille, non ? Il attend post. Ouais, ils l'ont vu. Faut se dépêcher, hein, parce que. Voilà, là il devrait dive. Non, qu'est-ce que tu veux dire? Si, c'est bon. Parce qu'il était au courant de ça en fait, tout simplement. Il veut dive. Mais il a les traits sur le visage, qu'il pouvait pas l'attaquer. Pas comme il avait les Fire Spirits. Ok, bah j'ai eu peur, bah c'est bien joué. Très bien joué. Bon, bah. J'ai l'impression que. L'hégémonie américaine se confirme là sur cette game, hein, en tout cas. Et oui, ce que je voulais venir, c'est que la différence de gold et d'XP qu'il y a maintenant, c'est la différence qu'il y avait à la 40e minute, ouais. À la dernière game. Donc, ouais, donc c'est violent ce qui se passe. C'est ça, c'est déjà très important. Alors après, il faut voir si Vichy se stabilise autour de 2000 gold, rien de dramatique. Ouais. Par contre, dans cette version, ce qu'on voit quand même beaucoup, c'est que la phase de win compte quand même pas mal. Tu peux prendre une belle avance sur la phase de win. Après, le hors limit game. C'est un peu compliqué. Et après, c'est vraiment les teamfights qui vont. Moi, je trouve que c'est la phase d'early game est, de manière générale, beaucoup plus importante que la 6.83. Je trouve que. En bas, on a Fenrir qui est en train de se faire massacrer avec son Lion, qui va mourir sur une auto-attaque de la part de Winter Wyvern. On est en train de se retourner sur Fear, aussi sur Super, on fait un peu n'importe quoi de la part de Super là. Et on est en train de se faire massacrer, Fear qui va pas réussir à mettre les deux attaques suffisantes, il y a une salle. Et du coup, Fear qui s'est mis en danger, il a l'invisibilité, il va trade jusqu'au bout, il va quand même récupérer la Viper, mais il va mourir juste derrière. Et derrière, ce mail qui vient de te faire une omelette, oh, magnifique. Alors par contre, il est en danger, il a pas TP en 10 secondes. Il est invisible. Oh non. Alors là, j'entends déjà un certain Shiba crier la chatte des runes. Ah, la chatte des runes. Bah ouais, mais ça fait partie du jeu, mon coco. Hein, donc, faut les utiliser. Ok, bon bah. On l'a entendu crier de l'autre bout du studio. Allez, on passe level 6 sur Univers, ça c'est important. Il n'y a pas grand monde pour l'accompagner, mais il y a Sklings quand même qui peut être présent. Ouais, c'est ça, il y a le Sklings qui fait le taf quand même. Hein. Alors, ce qui est important en plus par rapport à la game d'avant, c'est qu'il est, en plus de bouger, il est premier au net worth. Ce qui n'était pas le cas à la game d'avant où il avait laissé son. Mais là, il est déjà présent sur 7 kills. C'est vrai. Il est présent sur 100% des kills de EG, alors que la game d'avant, c'était vraiment, il était à 1-3-1 en début de partie. Il est même présent sur 100% des kills de la game puisqu'il est mort. Effectivement. Et donc, c'est bonne stat, Fear. Bonne stat. Donc, il est vraiment hyper, hyper actif dans cette game. Et alors Univers, faut suivre Univers. Faut vraiment suivre Univers. Bon, il est à droite où malheureusement il n'y a rien à faire. Et du coup c'est parti au mid, Super qui va mettre l'ulti sur ce mail. Ce mail qui avait été fait de manière très agressive, il y a le X. C'est encore une fois, ça se divise un petit peu. Hein. Ce mail qui est en danger probablement, le Toss qui va arriver pour récupérer le kill. Fear qui a envie de grid sur le Lion, ça va pas passer. Il est en invisibilité, on a de quoi le voir? Non, mais on lui met des sorts dans la tête. Fear, heureusement, il avait encore son tanking naturel, donc il va survivre sans aucun problème. C'est la deuxième game, deuxième kill qu'il loupe à cause de l'invis. Hein. Il va falloir prendre de la. Va leur prendre de la révèle. Hein. Ouais. Univers. Oh, c'est dangereux ça. C'est dangereux. Il y a l'arrivée de PPD pour l'aider. Non, il va pouvoir Tether out. Hein. Je sais pas trop ce que c'est mauvais ulti. Et ça va toss. On va le toss. Allez, et c'est un phénix volant qui arrive. On va essayer de TP la part de l'univers. Ça va passer. Il n'y a pas l'avalanche. Ah oui. Oh, oh, ça c'est bien joué. Ça vient. Oh, il fait d'ailleurs le tigre. Non. Il vient lâcher le point de booster. Ok. Ok, c'est vrai que les Chinois font pas trop de daggers sur leur Tini. Ça aurait pu les remettre. Ah, il me semble quasiment pas en avoir vu. C'est vrai que pour le coup, par exemple, des mecs comme Arthesi, ils en abusent beaucoup. Ouais. Pour snowball et pour faire de l'espace à un moment à ses supports. Et
Ok. Et c'est dommage parce que je pense que pour le coup, une dagger, c'est ah tellement pas vrai. On... Enfin, bon. Une dagger dans cette game. Je suis très à jour sur les chinois, donc c'est possible que j'ai des bêtises. Une dagger dans cette game, c'est un kill assuré sur la Queen of Pain, un kill assuré sur le visage, un kill assuré sur le Kling si tu le vois. Mm-hmm. T'as quand même des cibles. Ouais, c'est pas mal. Hein. Très propices. En vrai, c'est comme d'hab, il faut débloquer pour que. Bien sûr, bien sûr. C'est aussi un peu un gamble. Mais je pense que, vu où ils en sont, il faut gamble. Tu peux pas. Il y a du fight en dessous là. Je suis désolé. Smail va mourir, je pense. Smail va mourir. Il avait une Regen en bottle. Heureusement qu'il a pas pu l'activer. On va sauver l'attaque speed de la part de. Il va tuer tout le monde, tiens. Reroquette. Non. Il avait pas l'ulti. Il est sur le haut. Sur le haut, on a mis l'ulti Phoenix. On va le cog. Il va essayer d'aller, il va reprendre les cog. Il va mourir. Par le ping. Kill pour Fear, qui est bien sûr encore présent. Et Assassin's, il est à 0,5. Aïe. Alors, le Phoenix, c'est vraiment supposé être le mec qui reste sur sa ligne, c'est, ça reste sur son offlane jusqu'à avoir l'ulti, voir le level 7. Il a bougé très tôt. Mais c'était intéressant de venir mid parce qu'ils ont failli débloquer des trucs. Mais moi, ce que je vois concrètement, c'est que il n'y a pas de focus. Ça part dans tous les sens chez Vici Gaming. On regarde le move en bas où Super meurt. Super commence à focus le Klings. Puis en fait, il passe sur Universe avec son clock. Puis il repasse sur le Klings. En haut, Rilocat. Désolé, je l'ai tout. Non, c'est bon, t'es bien. Ok. Centre de body block, il réinvoque les oiseaux, faut pas les perdre du coup. Et le petit cop magnifique. Et faut, il faudrait le finir. Visage va mourir quand même, ça c'est important. Qui a récupéré le kill, c'est le Whis, mais il était déjà mort. Si il a envie d'y aller, il va prendre le toss. Il en est dédé hein, quand même, donc il fait mal. Ouais, et je pense. Et pire, il a récupéré un kill à l'autre bout de la carte. Sur le Lion qui était en train d'arriver, je crois. Aïe 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 aïe. Mais je pense, pour revenir à ce que tu disais juste avant, on sent que Vici est pas en confiance. Hein. On a vu sur l'histoire du Night à l'heure aussi. Oui, oui. C'est des problèmes de communication. Voilà, c'est des problèmes de. C'est juste le signe d'une équipe qui est pas en confiance. C'est ça, c'est ça. Mais c'est dommage de pas être en confiance sur un tournoi où il y a pas de loser bracket. Bah oui, c'est embêtant. Donc. Mais généralement, quand t'es pas en confiance, c'est pas toi qui décides. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est pas toi qui décides. Mais c'est très étonnant pour une équipe qui a dominé toute l'année et. Putain, ce serait tellement triste pour eux qu'ils soient en mauvaise forme au moment du TI, ce serait tellement dommage. Alors, sur quoi va partir Fier? Oh, là, c'est le Dezo. Ok. Ouais, Dezo en, ça va être Dezo en 14 minutes, ça va être insane. Et là, le Wisp, il doit toujours avoir un armure, je pense. Ouais. Là, il passe à moins 7. Et en plus, il me semble, confirme, moi, ça, le debuff Dezo est posé avant. Ouais. Beaucoup de pokes posés sur le Tini. Toujours pas d'ulti de la Wyvern qui a été posée. Est-ce que la Viper a quelque chose quand même? Oui, la Viper a un mecha. Donc ouais, ça, c'est quand même le point positif. Il faut se regrouper, je pense. Il faut snowball sur les tours là pour Vici. Je sais pas ce que t'en penses, mais on a un ulti. Pas du tout. Bah ouais, c'est ça. Ok, non, bah j'ai rien dit. Il faut sécuriser le Phoenix. Le Lion est level combien? Le Lion est toujours pas level 6 non plus. Il est level 3. 3? Si, ils ont raison quand même de. Il faut tendre des embuscades comme ça. S'ils arrivent à choper les mecs qui se battent tout seuls, EG, ils sont beaucoup tout seuls à essayer de débloquer des choses. 5000 gold, 5000 XP d'avance. Donc c'est beaucoup, c'est déjà beaucoup. Ok, Klings. En tout cas, il faut qu'ils arrêtent l'hémorragie, qu'ils restent ensemble, qu'ils forcent OG à commit plus loin pour aller chercher des kills. Et que la Viper soit là pour contre-gage. Et on va partir sur la Ganym. Ça, c'est important parce que la Ganym, ça débloque les anciens. Donc c'est quand même beaucoup d'argent. Et potentiellement, je sais pas sur quoi il veut partir derrière la Ganym AO, ça va être très important. Est-ce que ça a ce cuirasse? Est-ce qu'il veut faire BKB pour essayer de teamfight contre le Clock et la Winter Wyvern? Mais bon. Ouais, il y a la Ganym, il y a l'ulti Winter Wyvern qui passe sur BKB. Il y a les Kog. Je pense qu'il a intérêt à partir sur du full split push. Genre Manta? Ouais, il a ou Kuras direct. Il a un gros teamfight avec l'œuf du Phoenix avec la Viper pour le tenir en vie. Donc il peut dire je skip les trucs de teamfight parce que ma team en fait m'aide à déjà avoir l'avantage. Il se passe quoi en bas? Il y a un mec qui court après un mec? Ouais, c'est pas grand chose. C'est Tini qui se fait un peu zoner et il y a une smoke qui va arriver là-haut. C'est en train d'essayer de bait sur Ice. C'est qui? Grande préparation, c'est PPD. PPD il est un peu tout seul. On va essayer d'aller le récupérer. On va essayer de le slow. C'est bien joué de la part de Ice. Il va essayer de partir dans les bois. C'est très bien joué de la part de PPD. Il va prendre mettre un très joli Ice Blast en plus qui a fait vraiment très mal. Il va mettre l'ulti sur Fenrir. Du coup, super est dedans. L'ulti Queen of Bane pour terminer ce Lion. Et derrière, par contre, le mail il est en danger. Non, pardon, c'est le visage de Hui qui va prendre l'ulti sur le bas. Ice Ice qui va essayer de TP. Ça passe. Ça passe le TP. C'est Rilocat, hein. Hui il est mort. Oh, on va mettre le all-in dessus, c'est la Winter Wyvern qui est tombée, il y a les codes qui arrivent à la part d'univers. Attention, gros dégâts de la part de AO, le Whis derrière, j'ai l'impression qu'il s'en est sorti, il est reparti, c'est bien du coup. C'est en train de nous faire Vici Gaming, Lotos magnifique sur un creep pour finir univers. Et double kill récupéré par AO.
Super. Alors Fear par contre, Fear il a encore tué quelqu'un. En fait, c'est ça, il a récupéré la relocate du Wisp. Je crois qu'ils allaient faire Roshan là, ils ont le médaillon, ils ont le désolateur. Ouais, ça c'est très très bien joué de la part de Vici Gaming. On n'a pas encore vu. Merde, j'ai loupé le récapitulatif, on va quand même s'afficher le récapitulatif, c'est important. 3 pour 3, ok, je pensais que c'était un peu mieux que ça pour Vici Gaming. Ouais, c'est quand même important en termes d'XP et de gold. Ouais, c'est ça. Le Lion, je pense. Ah, il était pas là, le Lion. Oh merde, trop tristoun. Il est toujours. Il est 4. Bon, ça va. Qu'est-ce qu'on s'amène de la part de Fear? Nouveau club, très bien. La tour qui va être récupérée par Olao. Je pense que ça finit la Ganym. Ouais. Ça finit la Ganym, okay, nickel. C'est pas mal ça. Et le Whis, il doit toujours être aussi pauvre, j'imagine. Ah non, il est où, honnêtement? Ouais, ça va. Ouais, ça va. Il a une petite cloque, il a une urne et tout. Il est bien. Hein. Il est bien, bien, bien ce Whis, nickel. Mais Univers, je suis vraiment support dans cette team. Mais tu sais, moi, les cloques. C'est souvent comme ça. Ouais. Zai, c'est pareil. Ah, c'est le seul, pour moi, c'est le seul qui arrive à farm avec son clock. Mais même pas, je trouve. J'ai vu des games où vraiment il a que dalle, il fait tranquille boot. Après, c'est ce qu'on disait pendant le draft, on a vraiment tendance à voir clock plus support greedy. Parce qu'on sait qu'un clock, ça peut farm, mais c'est plus compliqué, t'as pas envie. Donc, prendre un support greedy, c'est l'assurance qu'au moins il va sortir quelque chose. Il va bientôt finir BKB, Fien. C'est dommage de ne pas avoir utilisé ces deux datas. Alors, il l'a utilisé pour prendre des tours, pas des kills. Ouais. Ils sont quand même. Regarde, la carte est quand même très ouverte. Ouais, la carte. Il va aller faire Roshan là. Donc, on voit le petit côté, on reprend. Mais oubliez pas que pendant cette même teamfight, il y a une tour qui est prise aussi. Exactement. Donc, ça limite un peu l'impact sur les cours. Tu parlais de le soft d'Aui, qui est quand même au même niveau que la Viper en Networks. Qui ferme depuis un bon moment. Voilà. Okay, il va avoir la Ganym. Donc, je pense qu'ils attendent la Ganym pour aller faire Rosh, à mon avis. Il a pas envie de perdre du temps de farm. Ah oui, il est vraiment impressionnant. Ah oui, avec son visage, ça va peut-être partir en bas. Fear qui est en train de scout tout le monde, qui va voir le Phoenix. Il peut le trishot. Hein. Il peut le trishot. Ok, c'est bon, il va réussir. Il y a l'attaque qui est partie. Pas la quatrième, malheureusement. Donc ça va passer pour le Phoenix. Dommage. Et attends, c'est. Ah oui, non. Ouais. Il a bien joué de dive tard. Tu sais, quand tu utilises le dive, tu perds un pourcentage de tes HP. Même que plus tu utilises tard, mieux ça. Ah oui. Est-ce que c'est pas en max health? Que c'est en max health. En PV 15%. Ah non, peut-être pas. Non, peut-être pas. C'est peut-être pas en max health. Ouais. Donc t'as probablement raison sur le fait de. Il faut l'utiliser. Il est que level 6, le pauvre. Et il y a un Kling sans face avec le strap pour tuer l'œuf, c'est fausse. Oh, level 4, Fenrir. Ouais, 4 à la 18e, 19e minute, moi. C'est le Kling qui les a tellement. Il bloque complètement la gare. Tu peux pas se balader seul. Hein. C'est comme quand tu joues avec des potes trop. Enfin, toi, t'as peut-être pas ce problème-là. Mais quand tu joues avec des potes qui sont plus haut que toi en MMR et que tu joues le support. Et tu sais pas quoi faire. Ouais, tu sais pas quoi faire. Et les mecs, ils bougent partout sur la carte. Tu vois, j'arrive. Et les mecs, ils ont déjà tué tout le monde. Toi, t'es niveau 3, ils sont niveau 17. Je te rassure, on va tous passer par là. Ok, Roshan, terminé. Ça paye la Ganym dans le même temps du visage. Et c'est une Aegis sur ce Klings qui va bientôt terminer. Son BKB au mid, c'est peut-être un peu en danger pour. Oh bah, effectivement, il y a Orchid sur la coupe. Oui. Ok, donc là, la game d'ISSS, elle devient plus compliquée qu'elle n'était déjà. C'est-à-dire, il a le Midas. Ok, il a même pas pu faire le recover Midas tellement il est. Il est à 0,8, hein, il a 0,8 en 19 minutes. Hein. 0,8 quoi. Après, il faut voir un truc, c'est que. Ils lui font pas perdre grand chose quoi. Ok, il récupère un peu d'argent, mais même pas tant que ça. C'est qu'il soit à 0,4, à 0,8 ou à 0,18. Combien là, par exemple? Il donne 220 d'or. Voilà, c'est rien. C'est rien. Au point où il en est, il est déjà mort 8 fois. Il a intérêt à mourir 15 fois et aller sortir un peu d'argent au passage. Quoi. Quoi ? Rien, ça me fait marrer quoi. C'est genre, ça me fait un peu penser à LOL, tu sais, où plus non, tu meurs, moins tu donnes quoi. C'est bête, hein, mais c'est le principe de la version maintenant. T'es dans le network, tu donnes pas, donc t'as intérêt à aller récupérer 300 gold. Tu dépenses 300 gold, tu meurs et ce sera rentable pour toi. Plus t'es une bitch, plus t'es une bitch. Ouais. Et toujours niveau 4. Hein. Non, ça par contre c'est une connerie, Fenrir. De quoi hein? Bah niveau 4, 20ème minute, je pense vraiment qu'il faut que tu prennes ton 6. Ouais mais... Bah, lui aussi il va mourir. Ouais quoi. Mais là tu vois, ils ont fait un stack d'anciens par exemple. Ah effectivement. Pourquoi t'es pas là? Ouais. Ok, au mid, ça va peut-être partir. Ça va trouver AO. Ah oui, il est en train de te faire massacrer, il faut le relocate back. On va lui mettre Glimmer Cloak. Tout va bien, on a mis l'ulti. L'ulti Winter Wind qui arrive sur Super. Est-ce qu'on peut le DPS? Univers, il est complètement bloqué. Il va probablement se faire all-in. Les coques sont magnifiques, mais on va faire tomber l'Aegis d'un coup. Et le Cloak. PPD, il est en train de se faire massacrer. Il a plus rien en cooldown. L'Ice Blast est magnifique. Par contre, ça essaie de se replacer de la part de EG. Et Vici Gaming qui a peut-être un peu trop overcommit. Oh, ce mail le DPS. Et derrière, la Glimmer Cap. La Glimmer Cap, ça lui a fait esquiver le dernier coup. Et derrière, par contre, il y a Assumption. Il a loupé le relocate. Oh là 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 là, il a loupé le relocate. Oh, c'est terrible, il faut pas perdre l'oiseau. On perd pas l'oiseau. Oh là là, ça se joue pas à grand chose hein.
et Fear. Oh mon dieu, on a tué le lion en quelques coups. Il faut essayer pareil. Non, il n'y a plus de vision. Lunar Cape. Oh, bah. Oh ok, leur kill. Leur kill va récupérer le kill. Et sur le bas, c'est un peu le bordel. Ah, il y a le Klingy qui est de retour. Camille, on récupère des kills là-dessus. Hein. Ils ont récupéré Klingy. Putain, attendez, c'est n'importe quoi. Je suis en boucle. Je me rapproche parce que je vois rien du tout sur cette mini carte. C'est pas du tout évident à gérer cette caméra. Ouais, je trouve que tes icônes sont un jeu petites. Oh putain, il est chargé dans la base. Il venait de récupérer l'ulti. Ah, oh, sérieux. 3500 gold. Mais on sent quand même que le teamfight de VG est fort. Hein, parce qu'avec le retard qu'ils ont, ils existent en teamfight. Je sais pas comment ils ont réussi à exploser Univers et Fear. Parce qu'ils ont fait un énorme dégât haut, je sais pas ce que c'est. Bah, il y avait l'œuf du phoenix au-dessus de ta caméra. Qui a explosé? Non, ils l'ont tué avant. Mais en fait, ils ont dû tous se retourner pour taper l'œuf. Du coup, ça a laissé free DPS pour la Viper et pour le Tiny. Ouais, c'est peut-être ça. Parce qu'ils ont explosé en même temps l'Aegis et Clockwork. J'ai fait putain, impressionnant. Et Univers, il a rien fait du teamfight. Concrètement. Je pense qu'il engage les mauvaises personnes. Et s'il engage le Lion ou. Bah, il engage le Tiny en mode il est tout seul, on va. Ouais. Je pense que c'est vraiment du poke, pas forcément pour le tuer. C'est de l'engage en mode on va un peu lui faire peur. Au pire, on force la relocate back. Et puis voilà. Et puis finalement, ils ont vu qu'ils avaient quand même un DPS constant. La Glimmer Cape de FY qui est. Enfin, heureusement qu'il est là, ce petit heureusement mec, parce que bordel, il fait un travail monstrueux. Et il y a l'Hyperstone du Tiny. Mais là, tu vas t'en tirer mal quand t'es à SSI dans cette game où si tu perds, t'es éliminé et t'es à 0-10. Je pense que tu dois pas te sentir bien quoi pour ta team. 0-9, pardon. Feed... Il a fait un brassard de son mien. Ok, tout feed. Hein, c'est ce qu'il a dit. Hein. C'est très agressif là-haut de la part. La part 2, j'ai pour essayer de récupérer cette tour. Univers qui est bien caché aussi, pré-engagé. Il essaye de trouver quelqu'un en train de massacrer. Et derrière, la contre-engage de l'univers est magnifique. Il est aussi Fear dans le coin avec son BKB. On est en train d'essayer de récupérer FY. C'est pas du tout passé. L'œuf qui va arriver, qui est focus par Fear qui va du coup tomber cet œuf. On va essayer de venir récupérer derrière le Tiny. On a récupéré le Wisp juste avant. Le Tiny qui va se faire massacrer. L'ulti du Lion parce que Fenrir, on sait pas trop quand. Il est passé niveau 6. Mais l'ulti, enfin pas l'ulti, mais le défensif de Winter Wyvern pour sauver. Non. Ce Fear, et on va aussi récupérer Fear. Super, c'est un full team. J'en bafouille tellement c'est beau. J'en perds mon latin. J'en bafouille tellement. Je pense qu'elle est finie cette game. Hein. Enfin... J'en bafouille tellement je mouille. Je vais chercher une rime. Je vais chercher une rime riche. C'est ça. Là, ce qu'il leur reste à faire, c'est remonter les lignes en suicidant avec Wisp Tiny et gagner du temps comme ça. Mais je vois pas ce qu'ils peuvent faire d'autre. Ils sont tellement bien. T'as les courbes là rapidement au lieu de faire du vrai avec ta Red Bull. Non, mais tu peux rien faire. Hein. C'est un peu la crise à. Tu peux rien faire. Après, ils vont pas le call ce GG, ils sont en LAN s'ils ont. Ah oui, c'est la game. Ils peuvent pas, ils call GG, ils sont éliminés donc ils vont aller jouer. Bon, après, c'est l'équipe qui a call le GG en finale du TI à 20 minutes, mais. C'est vrai. C'était pas les mêmes. Oh bah merde. Pas tous, mais. Qui y avait? Il y avait FY, super. Et Fenrir. Il a pris la dernière attaque. Oh, yeah. Alors ça se disjoint par le dive, tu peux faire les attaques suivre. Et il y a un ulti Viper qui est parti, c'est le mid, non? Non, j'ai jamais entendu. Non. Oh non, j'ai entendu. Ouais, bah c'est pas gagné. Hein. Bah c'est même plutôt perdu, je dirais, comme game. Déjà, ils pourraient tenter des trucs. Ah oui, la Solar Crest a gagné en 25 minutes. Enfin, c'est ridicule, il est 3ème au network, il est devant le Tiny. Donc, ils peuvent relocate, prendre les T1, ils peuvent remonter voilà, le maximum. Ils peuvent la jouer à la Alliance. Voilà, c'est ça. Ou à la Secret, qui a très bien joué le coup aussi, de dire Tiny Wisp. Voilà, tu joues le combo et tu vois ce qui se passe. Par contre, le problème, c'est qu'il faut quand même réussir à remonter les lignes. Et là, je pense que t'as d'un côté Univers avec son clock, qui va être très important dans ce processus d'empêcher ça. Et puis AUI et ses battes, quoi. En haut. Oh, mais le go solo, quoi. Non, mais c'est pas possible. C'est ouf parce que il peut y avoir du monde avec ce Tiny quand même, ils en ont rien à foutre. Hein. Ouais, triple stun des VAT, ouais, il lâche pas un seul spell. Magnifique. Magnifique. Et il y a l'univers. Ouais. Il essaie de choper le FY, mais je pense qu'FY avait pu sortir avec le Taser. Il a ulti. Hein. Ouais. Oh mon dieu. Quoi? Pardon? À quelle heure? Pourquoi? Et derrière, oh le silence sur. Non, la game va se terminer là-dessus. Fenrir va lui aussi mourir. Il reste que super. Fier oiseau au milieu de sa base. Le GG annoncé de la part. 2 FY et bah GG hein, je pense que là voilà quoi, c'est ce qu'on appelle se faire ouvrir hein. Ouais. C'est presque triste, enfin moi je suis triste pour Vichy hein. EG qui a été qui a pas été inquiété du tout de ces deux games quoi, de ce BO3 ça a été tranquille.
Oh, il est rempli, justement. Et donc j'ai... Il y a marqué 10 feet en gros, quoi. Oh putain, l'horreur. C'est quoi, ça? Ah, vas-y. Regarde comme c'est affreux comme setup. Le gros défaite en dessous de l'équipe. C'est pas ah, carrément infect. Quoi. C'est pas infect. Ah, carrément pitié quoi. Alors le micro cathédrale pour toi. Non. Non c'est bon. Normalement il y a plus de micro cathédrale, c'est réglé. Ah. Et les interobliques. Bah c'est réglé. C'est réglé. Normalement ils ont rien eu. Ah, donc nickel. Elle est quand même très stylée cette scène ESL One. Hein. Je sais pas ce que t'en penses mais moi je la trouve assez classe. Alors je sais, non, objectivement Shiba, bien donc, évidemment. Objectivement elle est classe, mais ça fait très scène, en fait ça fait très scène chinoise. Elles sont structurées un peu comme les scènes sont en Chine dans les tournois. Il n'y a pas trop d'originalité dans la scène. Je m'attendais à, ouais. pour des Européens, mais bon c'est des Allemands. Mais l'originalité chez les Allemands n'existe pas. J'ai pas vu d'image de haut du stade. Est-ce que le stade est plein? Bah l'année dernière, alors je crois non. qu'ils utilisaient même pas non, les tribunes l'année dernière. Donc si, il y en avait deux pour les VIP, je crois, un truc comme ça. Parce que tu sais, ils avaient accès aux loges, je crois, un truc comme ça. Et donc, il y avait deux tribunes, quoi. Mais c'est tout. Et donc, il m'a semblé qu'ils en utilisaient plus cette année quand même. Ouais, j'ai vu Soé un moment dans les tribunes en train de parler avec des gens. Ok. D'ailleurs, c'est un peu n'importe quoi ce qu'elle a fait à sa coupe de cheveux quand même. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais. Bon, bah, ça va. On va pas parler des cheveux, je trouve que c'est toujours un sujet qui fâche. Surtout pour toi. Voilà. Vous ne connaissez peut-être pas, parce que là vous connaissez Shiba le salty. Mais pardon. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas Sky. Enfin, peut-être. Joueur de zéro respect. Meilleure équipe française. Hippie Pura. Avec Alliance. Qui est française aussi, parce qu'il y a fait Mad qui s'est fait massacrer. Mais voilà. Bon. Qu'est-ce que récapitulatif de cette game? BO3, 2-0 pour EG. On va arriver vers toi après, Shiba, parce que je sens que tu vas être passionnant. Mon bon Sky, qu'est-ce qui s'est passé dans ces games? Outdraft, pas outdraft? Outplay, pas outplay? Pour moi, déjà, il y a un gros problème de draft sur la première game. Ça, de la part de EG de la part de Vichy. Ouais, de Vichy. Et sur la deuxième, comment dire? Ils ont un problème sur leur phase de lane. Ok, ouais, ils ont. Mais est-ce que le problème, c'est pas qu'ils perdent Teeny Wisp mid face à Semel qu'ils ne doivent pas perdre déjà? C'est pas ça, c'est le problème dans la deuxième game déjà, ça serait de mettre bien le Phoenix. Ils peuvent pas en fait, ils ont rien pour mettre bien le Phoenix. Genre... Ouais, ok, et ça c'est vu, hein. Il finit à combien? Il finit à 0-12. Donc Ice. En fait, il peut pas faire grand chose en fait, c'est un héros qui a besoin d'aide au début. Et ils pouvaient ramener qui? Est-ce que personne. Tu crois? Et tu crois pas qu'ils peuvent même pas ramener le lion parce qu'en bas il y a Viper contre Clock et que... Alors il y a un autre problème, c'est qu'en fait du côté de G il y a un bone en fait un peu dégueulasse et du coup ils ont une phase de ligne juste trop forte quoi, genre impossible à... Vas-y, ça devrait être bon. Impossible à face tout simplement. En 1v1. Enfin, ouais, et puis surtout, même à 3. Surtout, ça a zéro d'armure, un phénix. Mais c'est last pick le phénix, non? C'est last pick. Donc, c'est-à-dire, ils savaient qu'ils allaient. Non, ils. Bah, pour moi, c'est une erreur. Du coup. Qui est le last pick? Est-ce que c'est le phénix ou est-ce que c'est le clean? Parce que c'est les deux derniers héros. En fait, tu sais, nous a envoyé faire des courses pendant les drafts. Donc, on n'a pas vu les bans et tout, nous. Alors, attends, on va aller vite fait voir qui est le. Je sais plus si c'est phénix ou clean le last pick. C'est le dernier héros de chaque line-up. Mais qui a été pris en dernier? Je me souviens plus du tout. Bon, dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que Vichy s'est fait massacrer et Vichy repart à la maison. Ils étaient en dessous de toute façon. Du coup, on saura pas. C'est un peu normal. Ouais. Généralement, les équipes chinoises en ce moment, c'est pas trop ça, on va dire. Une réaction, Shiba? Rien à dire. Shalty, comment tu vas? Non. Et EG a mieux draft, a mieux joué. Ouais. Sur ce match-là, rien à dire. Sur la première, regret quand même. Parce que je pense qu'à un moment, ils peuvent vraiment être massifs. Je sais pas ce que t'en penses. Le problème, c'est qu'ils ont rien pour attraper qui que ce soit. Ouais. Ouais, mais est-ce que tu crois pas qu'ils doivent se réunir? Si, je pense qu'à un moment, ils doivent tenter ça. Parce que plus ça avance, plus c'est compliqué. C'est ça, donc ouais. À un moment, il faut prendre et puis y aller. Mais avec t'as la Naga qui skip les creeps au-dessus, t'as l'ulti Queen of Pain qui déblaye tout. Ah, c'est beau. Non, je dois le beau jeu. Le beau jeu là, c'est très très beau. Franchement, c'est émouvant. Alors,
Tout va bien pour le son, tout va bien. Ok, pour la première, pas grand chose d'autre à dire. Bah sur la première non, enfin outdraft. Outdraft quand même. Bah, moi pour moi ils sont outdraft sur la première. Enfin, d'accord. Sur la deuxième ils sont pas outdraft par contre, parce que ils ont du disable, ils ont de quoi un peu choper des gens quoi au moins. Sur la deuxième en fait c'est pour moi c'est juste un problème de ligne et derrière c'est vrai qu'ils ont plus d'outils pour tenir la game en tout cas. Ouais je pense aussi. Je vais vous mettre vite fait les gars les games. Alors ça c'est la game 1. Ça c'est la game 1 de la part de EG. Donc avec la Naga de la UI, etc. etc. et en termes de ban. Encore une fois, c'est le Tusk ban dans les deux games. C'est normal, ça. Pour moi, c'est normal. Normal. Pour moi, le héros est trop fort. Et alors, j'ai une autre question. Là, on va voir Cloud9 contre Invictus Gaming. Je sais que Cloud9 en a un peu joué, mais surtout les gros joueurs de ce héros, c'est Secret, c'est Bloodseeker. Est-ce que c'est un héros qui va être ban que contre Secret, parce que Secret gagne tout avec, ou est-ce que c'est un héros qui doit rentrer dans la phase de pick ban? Alors, pour moi, il sera pas ban. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il est tout simplement pas joué quoi en fait. Enfin, ouais, mais il est c'est un Secret... peu joué par Secret, c'est mais ça. C'est pas. Il le FP pas non plus quoi. Genre, bah si, ils l'ont FP contre en seeding bracket là. Ils l'ont second pick. Ils l'ont joué deux fois. Okay. Une fois sur Artesi, une fois sur Kuroki. Pour le coup, je trouve que le héros est vraiment fort. Bah pour moi c'est un peu un héros au-dessus, un peu comme Tuskar en fait. Mais pour l'instant il est pas joué par assez d'équipes tout simplement. Ouais. Je dirais. Uskar aussi ou Tuskar t'as dit. Tuskar. Ok donc Tusk. Ok. Bah. Pas grand chose à dire sur le. C'est trop fort aussi donc. Bloodseeker ou Tusk. Bloodseeker aussi. Okay. Les deux. Les deux. Les deux ouais. Ok. Donc ça c'est la game. Putain, c'est n'importe quoi. On a deux souris, c'est un bordel monstrueux. Et la game 2, donc c'est celle-là, en termes de draft. Et alors, le last pick, merde, bah, ça nous dit pas vraiment en fait. On n'a pas. Si. C'est Queen of Pain first pick. Ça, donc c'est comme King's last pick. Ouais. Voilà. Donc ça veut dire que c'est Ice. Enfin, le Phoenix est pris avant le King's. Donc il pouvait pas. C'est juste un super pick le King's quoi. Notamment contre le Phoenix, non? Quand même s'y attendre ouais. après ouais. la première game. Ouais. Moi, je comprends pas trop parce que ils ont une Viper. Viper, ça tient bien contre Cop. Ouais, tu c'est vois ça. Et ils ont Yotini qui peut mettre en safe lane et qui va pouvoir farm. Parce qu'ils ont mis Yobébé. Yobébé, pour moi, c'est plus solide que Yotini. Et ça a pas tenu contre la Cop sur la première game. C'est, ils ont fait le test, ça tient pas. Et derrière, ils piquent Yotini et ils retournent au mid contre ouais. une cop et ça bah forcément ça tient ouais, pas après, quoi. Après, attends, pour ils moi, sont pas obligés de gagner leur ligne quoi mais ouais, pour c'est moi, quand même le mieux si t'as une solution tu gagnes ça, ta ligne c'est ça c'est à cause du Phoenix ils sont obligés de trouver débloquer quelque chose autre part et mid c'est impossible parce que c'est une cop et bot bah c'est un clock quoi tu pourras jamais tuer un clock pour moi le Wisp Tini doit gagner contre la Queen of Pain pour espérer gagner la game ouais. pas forcément mais même ouais voilà pour espérer gagner mais en tout cas, là, ils l'ont perdu. Pour moi, ils doivent pas la perdre. Ils doivent être au moins équivalents en termes de CS et surtout, ils doivent la tuer, quoi. Ou au moins lui mettre beaucoup de pression. Tuer une cop, c'est pas évident. Après, elle peut se faire aider, la QOP aussi. Hein. C'est alors, pas elle s'est fait pas mal aider par c'est le. C'est pas évident par côté Yotinien, je dirais. Moi, ouais, je donne pas ça gagnant. Un peu chaté sur les runes. D'accord, sur la Queen of Pain, tu donnes pas ça gagnant. Non. Ok. Non, pas trop. Ok. Bah, si elle se met pas hors de position, qu'elle fait pas d'erreur, voilà, tu la chopes jamais. Puis surtout c'est un héros qui bouge quoi au final donc. Bah on l'a vu hein, enfin elle a pris une rune d'invi, elle est allée faire le taf, elle est partie, elle fait beaucoup la de chatte chasse. À rune d'invi c'est une ah, putain de scandale. Les runes, Shiba, incroyable. Ils ont eu de la réussite. Ils ont eu de la réussite. Ils ont eu de la réussite. Ils l'ont provoqué cette réussite. Bah tu la provoques, tu vas chercher une rune quoi. Bah voilà, donc tu la provoques. Ouais. Bah t'as une chance de choper une élue aussi, tu sais. Ah oui bah donc ils l'ont provoqué. Donc très bien joué à eux d'avoir provoqué cette réussite. Franchement ça fait bien plaisir. Mais oui, non, ils ont un peu chaté, notamment sur le. Non, je trouve la rune d'invi, bon, c'est vraiment le triple DD la première game ouais, qui est. Ouais. 3 DD de suite. J'avoue que c'est violent. J'avoue ça, c'est un peu violent. Alors je suis désolé, c'est pas très classe, mais je suis en train de faire les scènes en même temps, hein, puisqu'on est quand même un peu en homemade, tout ça. Ils vont sortir rien à leur performance, ça, EG. Ils ont été hyper solides et. Enfin, on l'a bien vu à la Mars TV League, où ils ont. Non, pas à la Mars TV, à la. C'est quoi le dernier tournoi de EG où ils ont. Non, ils ont massacré personne en fait. C'est... Ah non, c'est Secret. Non, c'est... non voilà, c'est Dota Pit League team... contre Team Secret où ils leur mettent 2-0 alors que Secret venait de gagner à la Mars TV. Et ouais, ils ont été impressionnants contre Team Secret. Après, c'est la Mars TV, c'est un tournoi online, etc. Donc c'est quand même très particulier. Moi, j'étais un peu inquiet de EG
en tant que bon fanboy qui se respecte, je l'ai trouvé un peu en dessous en termes de performance par rapport à avant. C'est pas très bien centré là, faut que tu décales un petit peu, oh, un petit peu à droite, un petit peu à gauche. JPP. Voilà, là t'es pas mal. Okay. Bon, les loulous, pas grand chose à ajouter, cette TV est trop professionnelle. Merci Toys Wayne, on va te ban d'ici bientôt. T'inquiète pas, attends, je vais prendre la souris. Je vais venir te ban vite fait parce que franchement, on va te time out. Voilà, on va te time out. Merci à toi pour le compliment. Franchement, ça fait très plaisir venant de ta part. vous inquiétez pas, c'est pas du rage. C'est Monsieur Swen. Bon, on se retrouve nous après une petite page de pause. Ce sera Hugo Ishibo au commentaire. On fait ça comme ça ? On fait ça comme ça. Invictus Gaming contre Cloud9. Yep. Juste, petit pronostic. Rapidos. Invictus Gaming. Bien évidemment. 2-0 ? 2-1. 2-1. Donc pas, déjà pas hyper confiant. Oui, allez. Alors, j'ai toujours confiance dans le potentiel d'Eternal Envy à bousiller des games. Ok, ça t'as raison. Et toi ? Je peux pas me prononcer sur une game comme ça en fait. Oh bah, je bah. Que les deux équipes sont quand même. No balls. Parfois no il faut balls. Savoir parier 32 clés. Je dirais quand même 2-0. Donc sur franchement, C9, vas-y. 2-0 C9 ? Ok. Et moi, je dis 2-0 aussi C9. Ah ouais ? Et du coup, moi, je reprends le train après cette game, quoi. C'est ça. Bah, s'ils se font éliminer, oui. Ok. Bah, non, pas forcément. Ah ouais, putain, c'est trop grand. Fuck. Bon, les petits loulous, on se retrouve juste après une petite page de pause. Pour Invictus Gaming contre Clanet, on prendra probablement en avance parce que je pense qu'ils font d'habitude des pauses de 30 minutes. Enfin, le temps de setup les équipes sur cette scène incroyable. Et nous, on reviendra, Pépouze, voilà, pour parler avec vous. N'hésitez pas à venir nous follow. Vous avez tous les Twitter en haut. Celui de CryoG aussi. Parce que normalement, CryoG doit arriver. Ah, il est malade. Ouais, il a mangé un poulet avarié, super, on m'a dit. Poulet avarié. Ouais. Je me suis fait chier à mettre son Twitter. On va le supprimer juste de rage, hein, son Twitter en haut. J'ai pas mis ton Twitter parce que je sais pas si t'en avais un. Alors j'en ai un, mais je l'utilise pas. Donc, ok. D'accord. Bon, il en a un, donc essayez de le trouver si vous voulez, au pire. Et puis voilà, on se retrouve juste après. À tout de suite.